Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie comme d'habitude. Petite vidéo assez rapide, même si on va prendre le temps d'écouter Zoubida Hassoul, sur justement Zoubida Hassoul qui est invité donc, qui est parti faire son show chez TV5 Monde. TV5 Monde, je rappelle que c'est une chaîne publique française lancée par le ministère des Affaires étrangères française, dont Jean-Yves Le Drian a appelé une période de transition il y a quelques jours. D'ailleurs, on a vu Tebboune lui répondre, Oujdakhlek. C'est une chaîne qui appartient à l'État français, donc c'est une chaîne de propagande, c'est pas une chaîne privée ou quoi que ce soit. El Mohim, c'est hallucinant ce que j'ai entendu, que ce soit cette personne même qui aille s'exprimer pour dire ce qu'elle a dit chez TV5 Monde. Faut rappeler déjà premièrement que Zoubida Hassoul, son mari est l'avocat des Kouninef, des oligarques qui ont en partie participé à ruiner l'Algérie. Ça, c'est un premier truc. Puis deuxièmement, on va l'écouter, d'accord? On va l'écouter s'exprimer sur la prochaine élection du 12-12, Inch'Allah. Et puis on va revenir à ce qu'elle disait avant. Alors, moi, ce qui me fait rigoler, on va l'écouter d'abord. Bismillah. De s'exprimer, mais aussi la liberté de la presse est mise à mal, et maintenant on arrive à une incarcération. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons, nous, à l'UCP, depuis des années, qu'on ne peut pas retourner à un processus électoral avant d'assainir toute cette situation, de changer les règles de fonctionnement, et après, bien sûr. On ne peut pas revenir à un processus électoral avant d'assainir, etc. Voilà, tout le monde est d'accord pour le retour aux élections. Et vous parlez bien sûr de la présidentielle du 12. Quand il y a eu une commission, la commission électorale libre qui a voulu faire, la commission de dialogue qui a voulu écouter tout le monde, personne n'a voulu discuter avec eux, personne n'a voulu proposer un candidat, etc. Pour changer certaines règles. Et maintenant, une fois que c'est fait, ou l'ouadra, maintenant, il faut changer certaines règles. Pourquoi Zoubida Hassoul n'as-tu pas participé au dialogue et à essayer de faire changer les choses avant? Sachant que on va écouter d'abord et puis on va voir la contradiction et l'inconsistance de nos politiciens. Et c'est pour ça que l'Algérie va mal aussi. C'est une opposition talkhorti et qui ne vaut rien. Et qui se contredit et qui ne recherche que le pouvoir, et en réalité, ce qu'elle veut, c'est le pouvoir. Est-ce qu'elle peut avoir lieu, cette présidentielle? Et si elle a lieu, est-ce qu'elle peut être légitime pour le peuple qui la conteste? D'abord, si on parle de problème de légitimité, effectivement, on ne peut pas imaginer que cette élection, même si elle est imposée de force, qu'elle pourrait être légitime. La deuxième des choses, c'est qu'objectivement, ces élections ne peuvent pas avoir lieu, parce que des élections présidentielles, c'est quelque chose d'important. Et aussi, il faut qu'il y ait une ambiance, il faut qu'il y ait un contenu, il faut qu'il y ait des conditions. Aujourd'hui, les gens sont complètement en dehors de cette élection. Le peuple le dit deux fois par semaine au moins quand il sort dans la rue, il rejette ses élections, mais en plus, mathématiquement et matériellement, il est impossible d'organiser des élections libres et indépendantes. Mathématiquement, elle a compté, elle, qui va participer, qui ne va pas participer, ce qui va se passer, etc. Elle, Mohim, l'hypocrisie, et ça vaut pour elle, pour une Kikis, pour Mehdi Rani, pour tous ceux qui ont voulu se présenter à l'élection d'avril, où Bouteflika était candidat, et où c'était Saïd, etc., qui organisait tout ça, qui mélangeait tout ça. Il y en a plein qui ont voulu participer. On va l'écouter ce qu'elle disait donc le 6 février. 6 février, c'est 2 semaines avant le début du Hirak. On va écouter Zoubida Hassoul, ce qu'elle déclarait. وكم وطن أن نخرج جميعا في هبة جماعية وفي هبة وطنية لنختار مرشح يحمل مشروع يحمل حلم جماعي للشعب الجزائري وللشبيبة الجزائرية ويحدث القطيع نهائيا مع نظام الحكم ويبني دولة القانون والمؤسسات دولة الحريات دولة التنمية. Donc, une élection pour
avec la mobilisation de tout le peuple, pour changer le système, ce que je préconise moi au jour d'aujourd'hui. Et j'avais dit, il faut qu'il présente. Personne n'a soutenu les candidats qui se sont présentés au-delà des cinq là pour leur donner leur signature, etc. On se retrouve dans cette situation à cause de ces gens-là qui ont appelé au boycott, ne donnez pas vos signatures, etc. Parce qu'ils courent après les postes et ils courent après le pouvoir. Ils ne courent pas après le bien de l'Algérie. Ce qui les dérange, c'est de ne pas participer, de ne pas croquer dedans. Et encore, elle a bien croqué hein, depuis les années 90, elle a bien participé. Mais on va écouter. Donc, il y a. دولة التشغيل هذا هو الذي يجب أن نفعله وفعلا حزبنا اجتمع الأمس المكتب المجلس الوطني وقرر بأغلبية أعضائه بعد مناقشة مطولة وصريحة وديمقراطية أننا نساند المترشح الحر علي غديري بناء على خارطة الطريق تتمثل في بناء دولة القانون استقلالية السلطة القضائية التنمية الحريات حرية الصحافة حرية التعبير حرية الاستثمار كل الحريات التي حرم منها المواطن الجزائري منذ الاستقلال نحن نريد أن نحرر أو أن نساند مرشحا يحرر المواطن الجزائري وهذه لن تكون إلا بهبة شعبية يخرج فيها المواطن بكثافة ويصوت ويختار المترشح الحر علي غدير شكرا جزيلا شكرا C'était à l'époque où elle voulait Ali Ghdiri comme président. À l'époque, c'était halal de participer à l'élection, alors que c'était Saïd Bouteflika qui les organisait. Aujourd'hui, c'est haram, alors qu'il n'y a plus personne de l'Aïssaba et que Bedoui Ben Salah vont aller à la retraite dans quelques jours maintenant. Ah, je sais pas, mon cerveau. Au fait, moi, je veux bien, j'aimerais être comme tout le monde. Suivre, ne plus réfléchir, éteindre mon cerveau, etc. Malheureusement, bah, Rabbi m'a donné un cerveau. Et quand je l'entends le 6 février parler comme ça, et aujourd'hui dire les conditions ne sont pas. Les conditions sont 100 fois meilleures qu'au mois de février, le 6 février, quand tu as parlé. Et pourtant, j'ai toujours été pour les élections, car le combat politique se gagne à travers les urnes. À nous de les surveiller. Je l'avais dit le 22 février, c'est avec toute cette mobilisation. On n'arrive pas à organiser des élections propres et honnêtes et indépendantes, c'est qu'on ne mérite pas les élections. Jamais. C'est qu'on ne pourra jamais les avoir, des élections libres. C'est l'incompétence, l'inconsistance politique de ces gens-là. Malheureusement pour eux, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est pas comme dans les années 70, tu dis quelque chose à la télé et ça s'efface, on n'en parle plus. Aujourd'hui, tout reste. Et en février 2019, elle soutenait Ali Ghdiri, elle était prête à aller aux élections, comme une grande partie. Hein. Comment il s'appelle? Aït l'Arbi, c'est ça. Hein. Était soutien d'Ali Ghdiri aussi, participer aux élections. Aujourd'hui, il nous parle de il n'y a pas de conditions. Zoubida Assoul, Nekaz, je vous ai dit, Mehdi, il y a toute une bande qui participait aux élections. Et qui aujourd'hui, maintenant que les. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Et puis, il faut bien qu'on avance. Et puis, le Hirak et le développement de l'Algérie ne s'arrêtent pas le 12-12. Ils commencent même, je dirais, parce que ça fait 9 mois qu'on ne travaille pas. Ça fait 9 mois que eux, c'est des fainéants, à part faire du populisme et répéter ce qu'ils entendent chez eux autres, etc. Ben, ils proposent rien. Alors qu'au moins, à l'époque, ils avaient proposé Ali Ghdiri, etc. Même si on sait qu'Ali Ghdiri. Bref, on n'en va pas rentrer dans le détail. C'est ridicule. Comment me demandez-vous de suivre ces gens-là? Je ne peux pas suivre ces gens-là. C'est des incompétents. Zoubida Assoul. C'est honteux ce que tu fais. Mais bon, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de. Aujourd'hui, nous, on est dans une ère de. Chacun fait ce qu'il veut, chacun peut raconter n'importe quoi. Et ça passe. Ça passe. Tant que tu fais plaisir, tant qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre, bah ça passe. Malheureusement, c'est pas comme ça la vie. Salam alaikum rahmatullah, à la prochaine inchallah, faites attention à vous, la patrie ou la mort nous vaincront. Rendez-vous le 12-12, hein. Je sais pas pour qui je vais voter encore, parce que malheureusement, avec le boycott qu'ils ont proposé, il faut pas supporter, il faut pas vous présenter, pas de représentant du Hirak qui se présente aux élections, faut pas y aller, faut pas y aller. On va se retrouver avec cinq candidats.
dont on n'a pas vraiment le choix. J'aurais préféré avoir des candidats soutenus par le Hirak, du peuple, mais malheureusement, ils n'ont pas eu. Il y en a eu des candidats, mais ils n'ont pas eu le soutien et les parrainages nécessaires. À qui la faute? À nous-mêmes, à ceux qui n'ont pas donné leur signature, à ceux qui ont appelé au boycott, etc. Et Zoubida Assoul, tu fais partie de la classe politique qui devra partir. Tu es une opposante au système d'avant et tu es aussi inconsistante que lui. C'est-à-dire que voilà, ça n'a pas de niveau. Bref, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, faites attention à vous, la patrouille, la mort, Macron.